les gars, on reprend la partie 2, donc je viens juste de recommencer ma caméra, donc ça s'en fout. Bon, en fait, il voulait seulement dire, si on voit ceci, voilà. Seul un Trap Master va pouvoir rapporter comme ça. Donc, c'est un Trap Master de l'élément O, et c'est tout. Et voilà. Donc là, les personnes de l'élément O ici sont les plus forts dans cette zone. Comme ce qu'il devrait dire d'habitude, monsieur. Donc bien sûr, si vous connaissez Scamanders, bah il y a l'ennemi mortel, c'est Chaos. On est là. Enfin, moi j'ai pas joué à tous les Scamanders. Putain. Heureusement qu'ils font ça. Ah mais si, je vous ai pas dit, parce que tout à l'heure au début, quand je serai. Parce qu'en fait, mon jeu, bah, il a un gros bug, et ça sera dans longtemps. Parce qu'en fait, à un moment, et bah, dans une partie, excuse-moi s'il y a un bug, mais. Qui fait que ma Wii U va planter. C'est comme Minecraft, mais ça va pas planter ma Wii U. Genre, si ça bug, je serai obligé de recommencer ma Wii U complètement. Et ça va être assez chiant. Donc, excuse-moi, c'est à ça. Dites-le moi en commentaire le plus rapidement si j'ai un bug, si j'envoie la vidéo ou pas. Oui, donc ça, c'est un super plot. Rebondissons! Et voilà. What? Ah, je connais pas du tout ce passage. Oh non, y'a rien. Wouhou! Ah, y'a une pomme. Là, je suis revenu de vacances. Ah. Un Trapmaster de l'élément lumière est requis pour ouvrir ce portail. Ah, lumière, ok, je l'ai. Ah, attendez. Ah, tablette trouvée. Ah oui. Le niveau supérieur. Brrr. Ah, on a trouvé méditation. Boom, chapitre 1. Oui. Le nom Flynn vient de l'ancien mot archéen pour génial. En fait, les archéens ont un millier de mots pour dire génial et ce sont tous Flynn. Ok. Alors oui, j'ai aussi l'élément lumière. Donc avant, je vais vous dire un truc. Si vous n'avez pas d'élément ténèbres ou lumière, bah, ils ne vont pas vous mettre ça. Ils vont mettre inconnu. Parce qu'en fait, ça, c'est des nouveaux éléments. Donc, parce que le dernier avant Trapting, c'était Swap Force, je sais pas si je les ai correctement, mais il n'y avait pas ténèbres et lumière. Donc, si vous avez pas ça, et bien, ils seront un inconnu. Bon, bah, c'est parti, on va ouvrir le portail. Malheureusement, mon Skylander il est en haut dans ma chambre. Donc, parce que j'ai aussi une Wii dans ma chambre. Donc, je vais prendre ça dans une prochaine vidéo parce que j'ai trop la flemme d'y aller, comme tout le monde. J'ai la flemme de marcher, la flemme de jouer, la flemme de tout faire. Voilà, donc s'il y a un truc, c'est quoi? Un Skylander. Ah oui, aussi il y a des vidéos que vous pouvez voir, donc on va la regarder. Et voilà, bah, en fait, si vous avez ce Skylander, eh ben, il va débloquer un pouvoir. Et on va le regarder, c'est pas comment? Blade, ok, Blade, je ne sais pas. Regarde bien, waouh, oui. Ah, on zappique carrément. Donc, et par contre, je suis très tais-toi. Ici sans que tu me vois passer. Oh putain, les gars, je vous le jure, la vie. Oh bon, désolé, j'ai pas ça. Non, les gars, en fait, j'ai cru qu'on pouvait pas passer, mais si. Genre, j'ai cru que Buzz, là, le mec bizarre, lui, le vieux papy, j'ai cru que c'était des cailloux, des pièces. Donc, j'ai poussé sur lui, mais non. N'oublie pas que tu peux toujours procéder à un échange et passer d'un Skylander à un méchant. Tiens, voilà! Comme ça, t'es content! Allez, Chip Trip! On va aller vers. Ok. Planton sur le. Donc, si vous voyez ce truc, il faut combattre tous les ennemis qui sont là. Alors, s'il est fort en douce, c'est pas mal déjà pour ça. Non, au contraire, c'est chiant. Ah! Et bien sûr, si les méchants ils attaquent les ennemis, et bah. Enfin, si les méchants attaquent les Skystone. Et c'est quoi les Skystone? C'est des méchants qui sont devenus des gentils, mais s'ils les attaquent, ben, ils perdent du temps. En gros, leur temps, ils se tournent. Donc, je voulais dire quoi? Oui. Non. Ah putain, on entendait plus. Wow! Alors. Ah, ici, un Trapman. Ah bah, vous avez vu, mon arme est salée. Tac, 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 et tac, et tac, et tac, et tac, et tac, on va agiter. Donc je déteste ce que j'ai dit à la partie 1, si vous avez bien regardé, et voilà, tout à petit trésor. Une belle récompense. On aura cette pièce. Et bien sûr, les Scamanders ne partagent pas leurs pièces, ils sont des pièces chacune. Il s'appelle Gulper. Oh, on le sait. Et ce qui est étrange,
c'est qu'il devrait être enfermé dans la prison des nuages. Ah, il se passe quelque chose de très bizarre. Je suggère qu'on tire cette affaire au clair et rapidement. Ok, casse-toi. Soda! Il me faut du soda! Ça peut pas attendre. Bon, c'est le Fanta, ça a du Fanta. Le Fanta, ça a du Fanta. Non, le soda, ça ressemble à du Fanta. Là, moi aussi j'en bois, et j'en râle pas après. Lol. C'est pour ça qu'il me faut du soda! Pour qu'il grandit? Gulper. Piège de manque de vue. Là par exemple, ah oui, je vais vous dire un truc. Dans les méchants que vous avez vu dans l'intro, ça sera pas du tout comme les mini-boss, comme chez Trump. Donc en fait, oh putain, ta gueule. Donc en fait, d'habitude, on a d'autres méchants, on a pas que ceux qu'on a vu dans l'intro. Genre, ceux qu'on a vu dans l'intro, ils vont être différents, les boss. S'il te plaît, tais-toi, ne parle pas. Non! Si c'est du soda que veut Gulper, c'est du soda qu'il n'aura pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de rebondir sur ce bâtiment et de détruire la citerne de soda avant qu'il le boive. Ça devrait le retenir un peu. Merci, papy. Maintenant, je veux passer. Ah, oh, il m'a vu. On va passer. Par contre, il s'appelle The Gulper, donc en gros le Gulper, c'est un petit peu chiant. C'est quoi qu'on va faire? Ouais. Allez, je suis prêt, on va tout défoncer avec tes missiles. Allez, on y va. Les gars, je vais peut-être passer, je veux pas sauver le monde. C'est la cage d'un méchant, maître du portail. Fais appel à un méchant capturé pour récupérer la récompense. Et ben voilà, en plus, il y a aussi une déclaration, on voit aussi des méchants. Mais je vais pas vous dire si c'est la cage ou pas. Oui! LOL! LOL, what? Et aussi, je peux utiliser tous mes scalandors parce que j'en ai plein. Sauf un, donc qui est. Prérex, voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Je peux pas l'utiliser dans la trap team, seulement dans Giants, parce que je suis Giants. Parce que il bug quand méchant part dans le portail. Bah, en fait, et bah, après, bah, ils font comme si. Voilà. En fait, il a un bug et genre, si un méchant part dans le portail, mais il va dire comme si j'en veux le Skylander et je l'ai remis. Ça, c'est assez ennuyant. Il y a tout le coup. Oh, dégueulasse! Putain, mais il est dégueulasse, ce mec. Il a pris où, ça? Ah! Dégage, non! Ne me parle pas! Ah non, ça va. Il est pas sérieux. Sa main, là. T'as pas fait mal! Merci le petit spoil, le jeu. Attends, on l'a mis ici alors. Mais non, en vérité, ça marche pas. Voilà, il va compter. Même si j'ai tiré sur sa main. C'est quoi ce jeu de merde? Alors, putain, je me suis tiré dessus d'après. Merci. Alors, c'est parti. Et ben. Oh putain, oh le. Ah, le méchant Buzz. Lui, il s'appelle Buzz. Le Buzz dans les ordi, quoi. C'est soda à l'ambroisie et à l'orange. Et le soda de l'année. L'autre, le verre est parfumé à l'endive des marais. Et son goût est encore pire que tu peux l'imaginer. Et donc il y a une souris en tête de mort. Laisser changer et piéger Gulper pour qu'il boive ce galanti, ça pourrait le faire revenir à une taille gérable. Ok, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est de lui donner la bonne citerne, en fait, qui est celui-là pour qu'il boive. Non, je rigole. Au contraire. Donc, ça, regarde. C'est vraiment pas obligé. C'est vraiment pas obligé de faire pousser ça. Mais, on va pousser. Et une prochaine fois, on va le laisser ça. Et voilà! Bien joué! Putain, mais c'est quoi cette tête? C'est la source de Zoda, ok. Il va en boire. Oui, il est devenu orange. Horrible! Et voilà!
attendu, je vais chercher mon piège. Je crois que ça va me bien dans ça. Place un piège tout sur le... On continue, je mets le piège de l'eau, donc qui est sur la boîte, parce qu'en fait, la boîte. Je parle de tous les Skylanders, Wii U, Xbox et tout. Sauf sur 3DS, vous avez deux pièges et deux Skylanders. Deux Skylanders VO et deux pièges VO. Mais pas sur la 3DS, vous avez que les Skylanders. Pas les pièges, ça c'est dommage. Je mets pas le jeu sur 3DS. Voilà, c'est parti, il va être capturé le. Je voulais juste un soda. Ouais, je voulais du soda pour cette relève-là, mon kiwi. Et voilà.